Aujourd'hui, c'est Coney Island et son Luna Park. Et je pense que c'était une très mauvaise idée d'y aller à 13h quand on a faim. Tout au bout de Brooklyn, j'étais très étonnée de voir très peu de monde se pendant les vacances scolaires de Noël. Chercher de la nourriture saine dans un Luna Park aux États-Unis, c'est comme vouloir manger végétarien dans un Buffalo Grill, c'est quasi impossible. Il ne nous reste plus qu'à marcher pour utiliser tout le fuel que l'on vient d'emmagasiner. Et je vais devoir trouver des légumes parce que vraiment là, je manque de légumes aujourd'hui. Bon là, on est clairement loin des légumes, mais ce n'est pas pour moi. C'est une gaufre sur laquelle elle va faire fondre de la guimauve et du chocolat. Heureusement qu'il y a de la nourriture mexicaine et du guacamole pour sauver ma journée. Bon, avec des chips maison, mais c'est surtout le guacamole que je vais manger. Voilà, les chips sont surtout servis de cuillère, j'ai mangé tout le guacamole. Je viens de trouver un livre de cuisine de recettes saines qui s'appelle Self-Healing. On n'est pas loin de mon self-hacking. Ce matin, c'était un demi-avocat écrasé avec des rillettes de saumon sur un demi-bagel avec un thé. Et à 3h, en rentrant, un verre de kéfir de lait. Et ce sera tout pour ma journée.